ouverture du vlog un peu particulière parce qu'en fait il fait 31 degrés et je n'ai pas envie de brûler le fondant bûche de noix, donc je vais faire un nouveau tirage au sort pour le fondant d'aujourd'hui. Et le gagnant est Clémentine. Oui, on reste quand même dans les fragrances hivernales, mais c'est pas grave. Allez, je vais brûler Clémentine. Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 26 juin, il est 22h33. J'ouvre le vlog techniquement maintenant, mais en fait j'ai commencé à vlogger. Il était, je sais pas, 10h du matin quand j'ai fait le nouveau tirage au sort du fondant. Parce qu'en gros, 30 degrés, t'as pas spécialement envie de brûler bûche de Noël, hein, clairement. Donc c'était le fondant Clémentine. Aujourd'hui, comme hier, j'étais pas bien, voilà, grosse migraine, j'étais pas bien, j'étais crevée en plus. Donc, grosse migraine, à 22h30, je dormais. Donc, ce qui fait que si à 22h30, je dors, à 8h30, non, même à 7h30, j'étais réveillée. Voilà. À 7h30, j'étais réveillée, donc ça pique. Et puis après, j'essayais de me rendormir, impossible. Je me suis décidée à sortir du lit, il était. C'était, je sais pas, 9h30, je sais plus, pour sortir les chiens, voilà. Et après, j'ai fait donc une lessive, j'ai lavé enfin la cage à Melba, parce qu'il y a encore, donc Charlie encore pissait dedans. Et là, c'était intenable, il y avait une odeur, je ne pouvais plus. Donc, j'ai encore lavé le vet-bed. Et puis après, bah, après j'ai lancé donc la machine de drap. Que je devais faire la semaine dernière, quoi. J'ai changé mes draps jeudi, je n'avais pas lancé la machine depuis, hein, donc ça va faire une semaine que la machine attend. Voilà. Là, je l'ai lancé, comme ça, demain, je pourrais changer mes draps et mettre dans la machine. Voilà, j'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. Et après, Jen s'est réveillée, on passait un peu de temps somnolée, la pauvre. Faut dire que la chaleur nous a. Flingué. Voilà. Alors en fait, je vais pas me plaindre qu'il fait chaud parce qu'on attend l'été depuis 3 mois. Mais en fait, comment dire que passer de 15 degrés à 30 en une semaine est un peu trop d'un coup, tout d'un coup. Là, c'est il y a un juste milieu, les gars. Allez-y par palier. Hein. Donc c'était donc compliqué. Donc en fait, moi après il y a mon colis, j'ai un colis qui est arrivé donc en Mondial Relais. Je suis allée le chercher à 14h, un peu avant 14h, je sais plus. Je suis allée le chercher à 14, non, un peu après, vers 15, entre 14 et 15h, oh, je sais plus. Ou un peu avant 15h. Bon, je sais plus. Je suis allée chercher mon colis, donc au Mondial Relais. En gros, j'avais commandé sur le site Candymix. Je sais pas si vous connaissez. Alors, d'un côté, je vous le conseille pas spécialement. En gros, c'est plutôt tout ce qui est bonbons, style à l'américaine. Il n'y a pas que des bonbons à l'américaine, mais en fait, moi, je cherchais mes gâteaux que je prenais chez Action à l'époque, qui étaient 99 centimes. Et en fait, c'était les boîtes, vous savez, les sponge cakes là, qu'on voit dans les séries américaines, là, les petites génoises avec la crème au milieu, là. J'adorais ça. Et en fait, je suis tombée sur le site et j'ai vu qu'ils en avaient. Donc, j'ai pris 4 boîtes de 5. 4 boîtes de 5, 5 petites génoises. J'ai fait la commande le 11 juin. Hein. Elle a été expédiée le 24. Et après, ils disent bien qu'il y a entre 5 et 7 jours ouvrés pour traiter la commande. Beaucoup de personnes se plaignent du délai d'attente, clairement. Parce qu'ils disent entre 5 et 7 jours ouvrés, les gars mettaient carrément 10 jours hein, à ce rythme-là.
parce que c'est pas vrai, entre 5 et 7 jours ouvrés, j'ai commandé le 11, c'est parti le 24, les gars, donc en fait, presque 2 semaines à attendre. Par contre, oui, c'est arrivé direct en 2 jours, quoi. Alors par contre, je ne comprends pas l'emballage. J'ai commandé 4 boîtes de gâteaux, on est d'accord? Un grand carton rempli de frivolites. Merci, vous savez, les petits trucs en polystyrène. À quoi ça sert de mettre de la frivolite dans des boîtes pour des boîtes de gâteaux, les gars? Ça sert à rien, ou t'en mets pas autant. Mes gâteaux, mes boîtes, elles étaient perdues au milieu. Alors par contre, j'ai eu 2 cadeaux. J'ai eu un truc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas. C'est censé être des décos de gâteaux en guimauve. D'après ce que j'ai compris sur le paquet. Et après, j'ai eu un petit échantillon. Vous savez, les réglisses rouges là qu'on voit dans les séries américaines. De toute façon, c'est un site spécialisé pour ça. Donc voilà. J'ai eu ça. Et après, en fait, à la base, moi, j'attendais une commande. Parce qu'en gros, là, manger, c'est compliqué. Et en fait, on voulait manger un peu froid, quoi. Du moment, je voulais manger un peu froid ce soir. Et en fait, donc, j'ai fait une commande sur Carrefour. Et ils ont oublié la moitié du truc. Voilà, ils ont oublié la moitié du truc. Je voulais faire tomate mozza. Ils m'ont livré la mozza, ils m'ont pas livré les tomates. Déjà une. Voilà. Donc en fait, ce qui fait que j'ai dû aller au primeur de ma ville parce que le rebeu, ça coûte cher et il n'y a pas ce que tu veux. Donc je suis allée au primeur, j'ai pris une petite barquette de tomates cerises. Je ne sais pas s'il y a 250 grammes, mais je ne suis même pas sûre. Presque 2,60 euros. Plus de 2, presque, ouais, 2, plus de 2,50 euros. Voilà, alors que j'avais pris 2 barquettes au Carrefour, j'avais pris 2 barquettes à 99 centimes, hein, les gars. Ah bah, ils ont intérêt d'être bonnes, les tomates, hein. Mais bon, en même temps, j'allais pas, je pouvais pas garder, ne pas acheter de tomates, puisque, bah, en gros, la mozza, se garde pas. Sauf que j'ai 2 paquets de mozza. Et j'ai pris que 1 barquette de tomates. À ce prix-là, heureusement que j'en ai pas pris 2, hein, parce que sinon, je suis pas riche comme non plus. Donc je sais pas ce que je vais faire avec la deuxième barquette, la deuxième boîte de quoi, le deuxième sachet de mozza. Je sais pas, peut-être que je mettrai, peut-être que je ferai un gratin de pâtes, ou je sais pas, n'importe quoi, on trouvera bien. Et après au Carrefour, j'ai pris de quoi faire des burgers, puisqu'en gros, on a pas mal de steaks au congèle. Voilà, de quoi faire des burgers. J'avais pris des radis, il n'y en avait plus, donc ils ont été non comptés dans la livraison. Par contre, j'ai repris des petits déj pour Jen. Ils ont oublié un paquet de pain au lait. Ils ont oublié donc les tomates. Ils ont oublié des gâteaux apéro. Les gars, si vous livrez la moitié des courses, en fait, en gros, ça sert à rien. Mais bon. Ouais, donc en gros, bah, après, quand Jen s'est réveillée, j'ai fait le ménage à fond, donc aspirateur, lave-vaisselle. J'étais en transe à la fin, j'en pouvais plus. J'étais en transe à la fin, voilà. C'était très compliqué pour moi, j'étais au bout de ma vie. Et puis voilà, alors je n'ai plus mal aux dents. J'ai plus mal aux dents, mais ce n'est toujours pas parfaitement cicatrisé. J'ai plus la douleur, mais ça va. Et oui, donc les soldes ont commencé sur le site aujourd'hui. Je rappelle que le site, c'est les fondants parfumés de Nano. Les soldes durent jusqu'au 23 juillet. Vous avez 3 paliers de réduction. Donc pour 5 euros d'achat minimum, y a donc 5%. Pour 25 euros d'achat minimum, il y a 10%. Et pour 50 euros d'achat minimum, il y a 20% de réduction. Donc voilà. Et en fait, là aujourd'hui, bah, je n'ai pas eu de commande. Voilà, tant pis, c'est pas très grave, hein. C'est juste le premier jour. Mais bon, j'espère que j'aurai un peu plus de commandes quand même, parce que bah, ce serait pas mal. Anne-Sophie a bien reçu son colis. Et par contre, le colis pour la Réunion, je sais pas où il est. Parce qu'en gros, pour moi, il n'a pas bougé depuis que je l'ai déposé à la poste. Je l'ai déposé le jeudi.
Le vendredi, il était prêt à quitter le territoire. Et depuis, il n'a pas bougé. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout où il est. Donc, je ne sais pas si. Après, je sais qu'il y a 20 jours de trajet, donc il y a le temps. Mais il y va à pied, le colis, ou. Je sais pas. Donc, c'est pas grave. J'espère que la personne recevra bien ses fondants, qu'ils vont supporter le voyage, parce que. Avec ce temps-là, j'espère que les fondants vont arriver intacts. J'ai un petit peu peur, là. J'ai un petit peu peur. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est le jeu. Donc moi, je suis au café, j'essaye de me rafraîchir tant bien que je peux. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup bu de café. J'ai surtout bu, j'ai bu mon bubble tea que j'avais au frigo et j'ai bu un Arizona après le ménage parce que au bout de ma vie, j'avais besoin de un me resucrer et deux de prendre du frais. Et j'ai repensé à remettre des Arizona au frigo. Voilà. Donc là, je reprends mon café seulement depuis 22h, non, depuis 21h30. Voilà, donc là, au café, et puis j'espère que je vais réussir à dormir un peu cette nuit, parce que j'avoue que la chaleur, voilà, compliqué, mais en fait, après, bah, on va pas se plaindre, c'est l'été, mais quand même, passer de 15 degrés à 30, d'un coup, c'est trop. Et attention, il fait tellement chaud que Jen a tombé le pull. Jen a tombé le sweat. Attention. Par contre, elle a toujours son chèche et le jogging. Mais elle a tombé le sweat, attention. Hein. Donc, c'est qu'il fait vraiment chaud. Et moi, le truc, c'est ce que Thomas me dit. Parce que Thomas, il me disait, en gros, ce que je te disais, que moi, j'étais devant le ventilo. En fait, le ventilo, pour moi, c'est en gros mon chauffage d'appoint qu'un cran, on va dire, rafraîchissant. C'est pas un ventilo. Parce qu'elle me dit, Jen, elle est devant le ventilo. Je sais, bah non, c'est pas vraiment un ventilo. En gros, si tu l'as pas sur la tronche, t'as même pas un truc pour te rafraîchir. Il fait, ah ouais, en gros, t'es privilégié. Bah franchement, si t'es pas devant comme moi, tu sens rien. Après, si tu veux le prendre 30 secondes, tu te le poses là. Mais bon, là, j'avoue que pouf. Donc écoutez, bah moi j'ai encore ce soir à manger. J'avais pris un sandwich à la base parce que les courses, je les avais demandées pour entre 13h et 13h30. Sauf qu'ils ne trouvaient pas de livreur. Donc j'ai annulé la commande pour me rendre compte que j'avais vraiment besoin des choses, puisqu'on n'avait plus de pain de mie. J'ai repris des œufs, oui encore, au risque de les perdre encore une fois, j'ai repris des œufs, faut vraiment que je fasse mon gâteau. Et puis il nous manquait des choses, donc voilà. Et en fait, bah, j'ai passé donc la commande, elle arrivait à un peu avant 16h. Donc voilà. Donc en fait, j'avais pris un sandwich dans mon panier. Donc j'ai pu enfin manger mon sandwich. J'étais 17h. Donc j'ai mangé un peu du sandwich et puis ce soir je vais le finir. Je vais laisser Jen manger les tomates mozza et puis il y a un œuf, encore un œuf dur si elle veut mettre dedans. Oh puis on se débrouillera. On se débrouillera, on trouvera bien. Voilà, mais là c'était pas possible de rester. J'avais pas la foi de manger chaud ce soir, clairement. Manger chaud ce soir, j'avais pas la foi. Donc je me suis débrouillée tant que j'ai pu et puis. Et puis voilà, mais en tout cas, ouais, c'est du luxe. Ah, belle primeur. Bon, alors, il n'y a pas grand choix. Dans ma ville, tout le monde dit, ouais, le primeur, le primeur, le primeur. Pas grand choix. Déjà, c'est tout petit. J'ai jamais mis les pieds. Hein. Au vu des prix, j'ai mis les pieds. Alors, t'as des fruits, ouais. T'as quelques légumes. 2,60 €. Il y a à peine, je suis même pas sûre qu'il y ait 250 grammes de tomates. Hein. Bon, c'est pas grave. On va les savourer. Et puis voilà. Donc écoutez, je bois mon café, je vous dis à toutes. Il est 1h50. Je vous reprends seulement maintenant. Alors, on a mangé. Donc moi, j'ai mangé un peu de mon sandwich, un peu de viande de graison. Et Jen a mangé donc tomate mozza avec l'œuf et yaourt. Là, Jen vient de se réveiller. Pause pipi. Moi, ce sera impossible de dormir. Il fait une chaleur. Je vais mourir. Voilà.
Donc voilà, et puis je me suis encore perdue sur les réels. Mais les réels Facebook cette fois, pas Instagram. Oui, bon, de toute façon, vous voulez que je me perde sur les réels, c'est la même chose. Hein. Donc ouais. Donc je bug sur Facebook ou Instagram, c'est pareil, je me laisse très facilement divertir. Donc je perds un petit peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pas, tu fais quoi? Donc là, j'avoue, je suis en état de larmes. Il faut que je refasse ma cure des ongles. Les chiens ont chaud. Voilà. Charlie aussi, Jen aussi. Tout le monde a chaud, les gars. Moi, je vais remettre mon ventilo. Je vais remettre mon ventilo et puis on va attendre que ça passe un petit peu. Je ne sais pas, il fait combien de degrés. J'essaierai de vous mettre là, il fait combien de degrés. Je vais regarder mon thermomètre, mais vous savez qu'il est en Fahrenheit. Il faut que je le convertisse en degrés. Donc là, je vais vous dire combien il fait de degrés dans l'appartement. Je vous l'aurai noté. Je pense qu'on est facilement au 25, hein, je pense. 23 peut-être, je sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Puis, là, comment dire? J'ai pas grand chose à faire cette nuit puisque j'ai bossé donc dans la nuit de samedi à dimanche. Ah si, il y a de l'emballage à la rigueur, je peux faire de l'emballage. Je pourrais faire de l'emballage à la rigueur. Voilà. Je pourrais toujours m'occuper. Comme ça fera moins de choses pour Jen, parce qu'il y a quand même 14 fragrances à emballer, donc quand même beaucoup. Je vois, pour l'instant. Je recommence à avoir la vue qui se brouille de cet œil-là. Vous savez, comme quand je joue en Canal Plus encrypté. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Donc c'est bizarre. Pourtant, je n'ai pas l'air d'avoir de l'attention. Est-ce que la chaleur peut jouer? Je sais pas. Voilà. C'est l'enfer, les gars. On va passer. Faut que j'arrête de me plaindre parce qu'on me dit tu te plains qu'il fait froid, tu te plains qu'il fait chaud. Mais on se plaint tout le temps, de toute façon, les gens, il y a toujours une raison pour qu'on se plaigne. Regardez, on crève de chaud. Et il y a ça. Melba, couché sur Muffin. Melba, t'es pas cool, hein. Il fait chaud là, je te rappelle. Pourquoi t'es couché sur Muffin? Moi, bon, Muffin et Carpette. Oh oui, il fait chaud, mes bébés. Oh oui, il fait chaud, mes bébés. Pouf. Donc, je suis encore au café, hein, clairement. J'essaie de me rafraîchir tant bien que mal. Donc, oui, je bois mon café. Voilà, c'est pas très grave. De toute façon, c'est pas ça qui m'empêche de dormir de base. Là, c'est vraiment, il fait chaud. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, il faut que je pense à refaire ma couleur, donc je vais pas laver mes cheveux. Faut que je repense à faire ma couleur, je sais pas quand, je verrai. Là, c'est hein. C'est chiant, voilà, c'est chiant, parce que quand il fait froid, tu te fais chier, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand il fait chaud, tu peux pas bouger sinon t'es au bout de ta vie. Un juste milieu, les gars, un juste milieu. Ah oui, j'ai aussi eu un commentaire que j'ai supprimé sur l'onglet communauté quand je dis que j'avais la migraine hier. On m'a dit comme d'habitude. Ben en fait, si t'es pas contente, passe ton chemin, clairement, parce que oui, j'ai souvent des migraines. Oui, je suis souvent fatiguée. Mais en fait, excusez-moi hein, d'être humaine. Excusez-moi d'être humaine, les gars. Faut bien qu'au bout d'un moment, mon corps il me dise merde, en fait. Donc mon corps il me stoppe. Oui, j'ai mal au crâne. Oui, je suis fatiguée. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc, en gros, le comme d'habitude, je m'en fous un peu en fait. Donc, j'ai supprimé le commentaire. Parce que maintenant, je me prends plus la tête, clairement. Voilà. Si ça plaît pas, tu restes pas. Et si t'es pas contente, tu restes pas. Ça marche aussi si t'es pas content, au masculin. Voilà. Je ne force personne à rester sur ma chaîne. Je ne force personne à regarder mes vidéos. Il y en a qui regardent pour critiquer. Donc après. Mais regardez, regardez. Moi, personnellement, ça me fait des vues. Bah, si j'ai des vues, ça me fait de l'argent. Donc, continuez à regarder si ça vous amuse. Tous les commentaires qui me déplairont, oui, seront supprimés. Donc, oui, je censure les gens. Attention.
Je fais de la censure. Je suis pire que le CSA, les gars. Non, mais bon, faut arrêter un petit peu ces conneries. Bon, faut que je trouve un truc à regarder, je sais pas quoi. Je vais bien trouver. Puis ouais, écoutez, je vous dis à toutes. Alors, il est 3h46. Je me suis encore perdue. Sur YouTube, cette fois. Je me suis perdue sur YouTube avec des petites vidéos pourries. Voilà. Et je viens de finir mon sandwich. Non, c'est trois bouchées. Hein. Excusez-moi, donc je viens de finir mon sandwich. Je viens de couper le ventilo pour pouvoir filmer. Et je pense que le vlog sera clairement pas intéressant. Je suis désolée. Donc, excusez-moi, j'ai loqué. Donc, je vais faire le tirage au sort du fondant de demain et je pense clôturer. Hop, tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant est Spéculoos. On va relancer un autre tirage parce que là. Bon, Rocher Praliné, ils veulent pas qu'on passe à l'été, hein. On va relancer encore une fois. C'est déjà mieux. Fleur d'eau, donc, qui est le dupe du Kenzo. Donc, j'ai fait le tirage au sort du fondant de demain à trois reprises. Parce qu'on passe de Spéculoos à Rocher Praliné. Et pourtant, j'avais viré les fragrances de Noël type. Voilà, donc ce sera donc Fleur d'eau, donc, qui est le dupe du Kenzo pour homme. Voilà, on pourra le tester comme ça. Je suis au bout de ma vie. Voilà. Clairement, j'en ai ras la casquette. J'ai pas encore pris ma douche, mais je vais aller la prendre là. Le temps que le vlog s'exporte. Voilà. Ouais, donc en gros, bah, là, il n'y a pas eu de vente aujourd'hui. Je suis désolée, Cadel, si vous n'entendez pas. Il n'y a pas eu de vente bah, hier. J'espère qu'il y en aura aujourd'hui. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur le site. Donc j'espère que bah, vous continuez à aimer mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer sur la communication. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!